Ok, donc nous commençons avec le point numéro 1. Forcément, on commence avec le point numéro 1. Donc, tac. Alors, tout d'abord, les questions envoyées par email, donc je disais dans la présentation, en fait, c'est plutôt la question, puisqu'il n'y a qu'une seule question. Bonjour Bertrand, je regarde depuis quelques jours les différentes formules que vous proposez et je suis un peu perdu. Laquelle d'entre elles serait la plus adaptée, sachant que je débute à 100% la musique et que je souhaite un départ en douceur pour ne pas me décourager? Donc en fait, effectivement, il y a la possibilité. En fait, vous avez déjà, alors pour ceux qui n'auraient pas vu, vous avez, donc quand vous arrivez sur le site harmodiatojazz.com, vous avez une partie qui s'appelle formation. Tac. Voilà. Et effectivement, ici, vous avez tout le catalogue des formations. Et c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Et à chaque fois, quand vous cliquez sur en savoir plus, bon, si je prends par exemple la formation complète, vous avez plein plein d'explications sur tout ce qu'il y a dans chaque formation. Et ben, je peux comprendre que ça fasse beaucoup et qu'à un moment donné, vous vous disiez, oh là là, il y a plein de choses et je suis un peu perdu. Donc, pour vous faire gagner du temps, plutôt que vous laisser chercher pendant des heures, tout comparer, etc., ben, le mieux, c'est d'en parler ensemble. Et donc, pour ça, il y a une autre procédure que j'ai mis en place il y a quelques semaines maintenant. Et on en a parlé aussi à l'Agora de la semaine dernière. Et on s'est dit, ben, effectivement, enfin, c'est vous qui m'aviez dit, mais c'est en fait pour démarrer, pour vraiment commencer les cours, plutôt que d'aller farfouiller dans le catalogue, il y aura peut-être plus simple à faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place cette semaine. Donc, sous le mot accueil, donc dans le menu à gauche, vous avez premier contact. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une nouvelle page, justement, qui vous permet de prendre un premier contact avec moi. Donc, je vous rappelle qui je suis. Et en fait, voilà, il y a deux, ça se fait en deux étapes. Hein, c'est vraiment pour faire gagner du temps. Donc, la première étape, c'est répondre à un questionnaire. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur un questionnaire qui fait 19 questions. Alors, 19 questions, ça peut paraître beaucoup, mais justement, enfin, vous n'en avez pas pour 2 heures, hein, à répondre au questionnaire. Mais bon, il faut y passer un petit peu de temps. Mais moi, ça me permet de commencer à vous connaître, de savoir qui vous êtes, pourquoi, comment vous êtes venu à vouloir jouer l'harmonica, qu'est-ce que vous savez déjà faire. Peut-être que effectivement, vous êtes complètement débutant. Peut-être que vous avez déjà fait un peu de musique. Peut-être que vous jouez déjà d'instruments, mais que vous ne connaissez rien à l'harmonica. Ça met un peu de temps à charger, c'est normal parce qu'on est en direct. Mais voilà, donc en fait, vous avez ce sondage que vous pouvez remplir. Et ensuite, donc là, l'étape numéro 2, vous réservez une plage horaire dans mon agenda. Donc en fait, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez, voilà, donc pareil, ça va prendre un peu de temps. Voilà, vous arrivez sur mon agenda et donc, tac, voilà. Et donc en fait, toutes les plages rouges, ben, évidemment, c'est celles qui sont déjà prises et vert, c'est ce que vous pouvez éventuellement prendre. Donc, il suffit de cliquer sur une plage horaire et de m'indiquer votre numéro de téléphone. Vous verrez ça sur la page suivante. Et du coup, bah, vous réservez directement une plage horaire dans mon calendrier. Et moi, c'est moi qui vous appelle, en fait. Pas la peine de m'appeler moi parce que bah, même si, en gros, je peux je peux gérer des rendez-vous d'une demi-heure, mais parfois, avec un élève, bah, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un petit peu plus. Donc, je peux pas être à la minute près. Donc, c'est pas la peine parce que certains me disent, bah, je comprends pas. On avait rendez-vous à 11h30, il est 11h32 et vous ne m'avez pas appelé, donc peut-être que vous avez oublié, donc je vous appelle. Du coup, vous tombez sur le. Enfin, vous ne tombez même pas sur la messagerie, puisque vous tombez sur les lignes occupées, bah, parce que je n'ai pas tout à fait fini avec l'élève précédent. Hein, donc, si c'est toujours moi qui vous appelle, mais vous en faites pas, je ne vais pas oublier. Ça s'écrit directement dans mon agenda. Pas celui-là, mais c'est relié avec un autre agenda en ligne. Et ce qui fait que je vois exactement qui je dois appeler, quoi. Donc, c'est vraiment très pratique de faire comme ça. Donc voilà, donc le sondage est ici. Donc là, vous avez les 10 premières questions, mais en fait, vous avez 19 questions auxquelles vous pouvez répondre. Et si vous répondez avec précision, ben moi, je peux commencer déjà à préparer l'entretien que je vais passer avec vous. Je peux déjà vous connaître un peu. Et puis ensuite, eh ben, quand vous prenez rendez-vous, on en parle ensemble. Et comme ça, moi, je peux vous indiquer quelles sont les formations ou les cours, les formules qui sont les plus adaptées à ce que vous recherchez. Okay? Donc, c'est ça que j'engage à faire à Franck, c'est de passer par ces deux étapes. Donc, c'est très rapide, hein, ces deux étapes. Si le questionnaire, il se remplit pas en 3 jours, hein, il n'a pour aller un quart d'heure en gros pour remplir le questionnaire. Et puis après, bah, vous prenez rendez-vous avec moi. Et puis, bon, en fonction de vos disponibilités, etc. Mais dans la semaine, il y a peut-être possibilité de se voir.
Donc, ça peut aller très vite, mais en tout cas, ça vous fera gagner du temps plutôt que de vous obliger à parcourir le catalogue complet. OK? Voilà, donc ça, c'était pour, on va dire, la question, puisque… Ah, bonsoir Michel. Et bonsoir Sandrine. C'est bien, il commence à y avoir du monde, je suis content. Voilà, donc ça, c'était pour les réponses aux questions envoyées par email.